be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, tout se passe bien, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de regarder Lyon, même s'ils sont pas terribles aujourd'hui, ils sont pas en ce moment, c'est pas leur meilleure année. La fin de l'année 2019 se passe pas très bien pour l'Olympique Lyonnais, et c'est pas une équipe qui est vraiment au top, puisque vraiment ils se font écraser de toutes les équipes. Marseille qui arrive, qui joue contre Lyon, qui écrase Lyon. Paris est normal, c'est logique, et ils sont beaucoup plus forts avec un objectif des joueurs extraordinaires, alors c'est normal, plus fort. Alors ils écrasent Lyon comme je sais pas comment vous dire. Et toutes les équipes, même pour vous dire, même Lille il n'y a pas longtemps a battu Lyon. Tout le monde bat Lyon en ce moment, et puis voilà, aujourd'hui c'est un match un peu, on va dire, de joie, puisque Lyon a joué son dernier match de Ligue des Champions, et puis bon voilà, ils se sont qualifiés, mais avec la deuxième place, mais timidement. Ils se sont qualifiés vraiment timidement, parce qu'ils ont joué avec la peur au ventre. Au début ils ont commencé la première mi-temps sans jouer, rien, il n'y avait pas l'envie qu'il y a d'habitude, qu'il y avait l'année dernière. C'est pas la même envie, il n'y avait pas assez d'impact, il n'y avait pas assez de rage, rien. C'est que comme on a l'habitude de voir, ceux qui ont l'habitude de voir Lyon, c'est que quand Lyon prend 1, 2, 3 buts, même 2 buts, c'est là qu'ils commencent à guingasser. Au bout de 1 ou 2 buts, ça commence à guingasser. Et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils perdaient 2-0 à la première période, et puis à la deuxième mi-temps, ils ont dû se faire remonter les bretelles par Rudy Garcia. Et puis voilà, comme il s'est passé, Lyon a réussi à marquer ce but. Et ce deuxième but, Memphis Depay qui a marqué. Mais bon, moi je veux dire, franchement, c'est pas le meilleur match de Lyon. Pour moi, le meilleur match de Lyon, vous allez me dire, ceux qui connaissent tout en foot, qui connaissent Lyon par cœur, pour moi, le meilleur match de Lyon, c'est contre, vous allez rigoler, contre Bourg-en-Brest. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est plus la Ligue des Champions. Parce que là, on gagne un match, on va être qualifié. Mais après, si on tombe contre un Real Madrid ou Juventus, en gros, ça va être fini. C'est juste la qualification, sert juste pour avoir un peu d'argent pour l'Olympique Lyonnais, et puis peut-être pouvoir acheter un grand joueur, un joueur important ou un défenseur, etc. Et encore, je ne sais pas si ça fait assez pour acheter des joueurs, etc. Mais bon, on ne sait pas. Hein, peut-être que Lyon peut aller jusqu'en finale, on peut croire, mais c'est que des rêves, hein. Franchement, je peux vous dire la vérité, c'est que des rêves. C'est pas, je pense pas que Lyon, avec Barcelone, Real Madrid, Juventus et Liverpool, va pouvoir aller jusqu'en finale, puisque ces gros là, il y a un barrage, hein. Si Lyon commence à gagner le prochain match des champions, il va avoir un barrage avec tout le Real ou la Juventus ou Barcelone. Ça, c'est sûr qu'il va avoir un barrage. Peut-être même le prochain match de la Ligue des Champions, ce sera un barrage. Et c'est là que Lyon va perdre et va être éliminé. Donc moi, je dis la vérité, franchement, je ne vois même pas Lyon aller très loin. Je voulais même qu'ils aillent en Europa League. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, je ne suis pas très content. Je suis un côté content et un côté pas très content, parce que c'est plus de la solitude de se qualifier que Europa League. Parce que Europa League, c'est plus intéressant, les joueurs ils s'amusent et tout, s'ils gagnent des matchs, ça se bat et tout. C'est un peu bon, je dirais que c'est un peu du niveau de Lyon actuellement, l'Europa League, puisque voilà, on peut arriver à se battre, et c'est génial, comme l'année dernière, quand on était en Europa League un certain temps, et bien c'était génial. Moi je vois plus là, mais là cette année je vois même pas que Lyon Europa League, même je pense que Lyon cette année, s'ils étaient éliminés, c'était encore mieux, puisque je sais pas s'ils s'entendent mal ou c'est l'entraîneur qui coach mal l'équipe, etc. et tout. Mais franchement, il manque d'impact, il manque de la rage, il manque plein de choses. Il y a des matchs que normalement ils les gagnent tranquillement, mais non. Aujourd'hui, ils ne les gagnent pas, c'est difficile pour eux. Donc voilà, je comprends pas.
Aujourd'hui, ils ont fait un match, ils sont réveillés à la deuxième mi-temps. Pourquoi se réveiller à la deuxième mi-temps? Pourquoi ils ne sont pas réveillés au début du match, marquer un premier but et tout ça? Je ne comprends pas. C'était un match pour moi qui était 50-50. Ce n'était pas le meilleur match de Lyon. Moi, pour moi, le meilleur match, c'est contre Bourg-en-Brest, le match de Coupe de France. Parce que moi, je veux que Lyon gagne au moins la Coupe de France, parce que ça, c'est des matchs qu'ils peuvent gagner. La Coupe de France, ils peuvent, parce que s'ils tombent après, ils n'ont pas beaucoup de matchs qui vont être durs, vraiment très très durs s'ils se battent vraiment. Et ils ont le seul match qu'ils ont, qui sera très très dur, ça sera contre les équipes de Ligue 1. Et après, les équipes de CFA et tout, les petites équipes, etc., ils peuvent réussir à tenir et puis gagner. Moi, je pense que la Coupe de France, Lyon, peut être capable, mais je lui dis, il peut être capable, mais pas vraiment à 100%, mais ils peuvent essayer d'aller au moins en finale de la Coupe de France. Et la Coupe de la Ligue, il va jouer, Lyon va jouer contre Toulouse. Je pense qu'il y a des chances que Lyon gagne contre Toulouse, s'ils sont bien motivés, parce qu'il faut vraiment qu'ils se concentrent sur la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Puisque la Ligue des Champions, il faut la faire à fond, mais à un moment donné, on sait très bien, il y a un barrage, ce serait Barcelone ou la Juventus. Les gros sont là, Liverpool est là. Bon, malgré ma déception aujourd'hui, franchement, je tiens à dire que je suis quand même désespéré. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, mais je suis désespéré parce que voilà, l'Ajax, c'est mon équipe que j'aime. Après Lyon, ben, ils ont été sortis. Puis là, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Et franchement, là, je suis dans. J'ai regardé Lyon, mais je sais très bien que Lyon n'est pas capable d'aller en finale. Je vois pas, moi, Lyon aller en finale. Je ne sais pas si vous voyez Lyon aller en finale de la Ligue des Champions. Ben, franchement, je ne vois pas aller en finale de la Ligue des Champions. Lyon, non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Moi, je vois juste que bon, Lyon va gagner peut-être, à gagner son match, à gagner juste de l'argent pour l'Olympique Lyonnais, pour peut-être acheter des joueurs, etc. Mais le prochain match, ça dépend sur qui ils vont tomber. Si c'est un gros, ça c'est sûr qu'il va avoir un match nul ou une défaite. Et puis Lyon va être sorti. Il faut que ce soit une équipe qui sait, qui soit au niveau et que Lyon soit motivé pour les battre. Puisque là, je dirais qu'ils peuvent aller loin, mais en ce moment, ce qu'ils ont montré ces derniers matchs, c'était vraiment 50, c'est vraiment, je dirais la vérité, c'est nul ce qu'ils ont montré ces derniers matchs. Contre Marseille, on s'est fait écraser. Contre Paris, on se fait écraser. On se fait écraser pratiquement par toutes les équipes. Toutes les équipes qui vont jouer Lyon écrasent Lyon. Il y a quelques équipes qu'on a réussi à gagner, mais encore c'était juste, mais au moins on a gagné, c'est déjà pas mal. Mais bon, moi je dis que franchement, techniquement, il y a du travail, il y a pas assez d'impact et tout, c'est, je sais pas, ça va pas. Du coup, voilà, moi je voulais juste, montrer ma déception, excusez-moi, par rapport à cette Ligue des Champions, parce que je suis content, mais à côté, j'aurais aimé Lyon en Europa League. Mais bon, voilà. Et même Europa League, même Lyon être éliminé, quand ils étaient éliminés, c'était même mieux, je pense. Parce que là, ils sont contents, mais bon, après, là, le problème, c'est qu'on va, on va pas aller loin. Je vois pas Lyon aller en finale. Dans le quart, tout ça, je vois pas. Mais après, je sais pas. Après, on sait pas. Peut-être que tout peut changer. Ils peuvent être motivés pour continuer l'aventure, etc. Mais bon, il suffit juste qu'il y ait un barrage Barcelone ou Juventus, un gros. Là, je pense que là, ça serait, les chances d'aller loin vont être minimes. Donc voilà, moi je suis dégoûté, franchement. L'Ajax est éliminé, je suis au bout de ma vie. Voilà, c'est fini, l'Ajax n'est plus en Ligue des Champions, même pas l'Europa League. Voilà. C'est Valence qui est passé. Bon, j'aime bien Valence, mais bon voilà, c'est comme ça. L'Ajax cette année ne sera pas là, donc voilà. Bon voilà, moi j'attends toujours ce match de Lyon contre Bourg-en-Brest en finale. Je dis n'importe quoi. En Coupe de France. Et le premier match déjà de Coupe de la Ligue entre Lyon et Toulouse. Ça sera un match capital pour les Lyonnais, parce que là, il faudrait vraiment essayer de gagner pour commencer l'aventure dans les Coupes françaises. Et après, ensuite, jouer contre Bourg-en-Brest, qui est quand même une équipe de qualité, quand même. Puisque si on perd contre eux, franchement, là, je dis, là, ils sont capables, Bourg-en-Brest, battre Lyon. Après, voilà, on verra bien comment ça va se passer. Bon, ben voilà, je suis vraiment dégoûté de ce match, mais je pense qu'il y a des. Il y a la qualité dans le jeu lyonnais, mais ils peuvent arriver au moins à gagner une coupe, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Ils peuvent y arriver s'ils se relancent et se concentrent sur ces deux coupes-là.
puisque c'est très important qu'ils se concentrent sur la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, puisque ce sont des objectifs pour Lyon qui sont importants, puisque le championnat, en ce moment, le championnat, je ne vois pas Lyon finir deuxième. Aujourd'hui, je ne vois pas finir deuxième. Après, on ne sait pas, attention. Si Marseille chute, on peut reprendre la place. Il va falloir battre Marseille au stade des Lumières. Et ça va être très tendu. Je pense que. Mais bon, le championnat n'est pas fini. Il y a encore la chance un peu qui peut arriver. Voilà, je pense que voilà. Je termine cette vidéo en passant une petite dédicace à mes amis du karaté. On a fait une compétition. J'ai enchaîné tout le monde. Ça s'est bien passé avec Sylvain, etc. Et Shams. Et tous ceux qui me reconnaisseront, je vais passer une grosse dédicace à Ayette, et à Émilie, Philippe, tous les amis qui se reconnaisseront dans la vidéo, qui regardent la vidéo. Et je tiens à dire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter si c'est possible. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, très rapide. Ce sera sûrement une vidéo de dégustation. Bon, je ne vous dis pas ce que je vais déguster, mais ce sera une vidéo de dégustation. Salut les amis!